mon métier, c'est la pâtisserie. Moi, dans le domaine, le plus de, vous allez dire, plus de 10 ans, en 10 ans, en 15 ans. Moi, j'ai commencé par. Enfin, je suis cours, définitivement, je suis en cours au début. Je suis dans l'école de théière, je suis dans l'école de pavadé. Je commence le travail, je commence de mon cours au niveau de mon centre de dames. Je commence par Social Center, je travaille pour NICE. Je travaille aussi pour l'école de pavadé et je rentre VTI. Je travaille VTI pendant Vocational Training Institute, ça, hein, avec quoi. Je travaille avec mon enfant privé. Mais là-bas, moi, tu peux faire une théorie. Moi, tu peux faire une théorie pâtisserie, culinary and pastry. Et après ça, il y a un empêchement qui me vient, qui m'a besoin d'arrêter de travailler. Étant donné que moi, je suis une conseillère du village aussi, qui ne m'a pas été capable de balancer. Moi, je peux faire quoi. Et je pensais comme je quitte le travail de l'autre côté, je me disais pourquoi pas, je ne commence pas pour moi. Pour une bonne idée, je vais garder la maison, je vais pas travailler toujours. Et en collaboration avec, bien sûr, mon époux, qui aide moi. Je mets en place sa pâtisserie-là, nous avons un équipement, tout ça. Et je vais commencer, il y a peut-être 26 ans par là, je vais commencer pour moi-même. Et voilà, jusqu'à maintenant, là, je peux encore travailler. Même moi, tu l'école, moi, tu content, prépare, moi, tu gâteau. Ça, il vient peut-être il vient de mon maman. Parce que mon maman, tu content, faire moi, tu gâteau. À la maison, à l'époque, quand moi, tu petit, presque tout l'anniversaire, moi, tu peux faire. Parce que mon maman, tu peux préparer mon gâteau. C'est lui-même qui te fait monde. Et pourtant, à main, pas tu n'as pas baptisé, pas tu n'as fou. À l'époque, moi, j'ai déjà 25 ans de cela, j'ai déjà. Pas de batteuse, puis besoin de monter un masse-pain en main, il prend vraiment, il prend le temps pour faire ça à la crème là. Et mon maman, tu peux faire avec une fourchette, il s'avait une fourchette, il monte à la crème là et il met ça dans un bol. Pas de man moule spécifique à l'époque. Il met ça dans un bol, il met ça là, il même connaît comment il fait, il met ça là, tawa et sa gâteau là, il est extrêmement bon. On va pour dire, il décolle sur la crème et. Longtemps, tu as une feuille bi. Longtemps, tu as beaucoup ça. Et tu fais décor ça avec ça. Il râpe ce coco. Et tu peux mettre quelques fraises. Voilà, extrêmement joli. Et mon coin a photo là. Hein, et voilà, ça commence comme ça. Et capable de m'inspirer de ma maman. Et comme parfois, moi et mon maman, nous sommes dans un supermarché. Je prends mon ingrédient, mon la farine, mon du beurre, mon du zèvre. Même gâteau là-bas pour une bonne, c'est pas fait non, et me sali. Ça lui plaît, un plaisir pour moi. Et voilà, avec toute la pratique, je commence à suivre mon coach, voilà, je arrive ici, je reçois un professionnel, je vous ai dit. Thank you.
terminé mon cours, j'ai l'expérience que je n'ai pas vécu dans la cuisine school, que là-bas, je peux aider moi-même. Je connais toutes les recettes que je peux mettre dans ce syllabus qui tient, je connais presque tout. Mais au lieu que je peux suivre le cours, je vais donner un coup de main. Et ça, là, la ligne commence, l'in aide moi lui-même, je ne sais pas vader, il aide moi. L'in diamant, elle prend un coup MQA, Monsieur Qualification Authority, que là-bas, mon gars, mon trainer MQA approve. Et que mon travail, que avec ce certificat-là, mon travail, que lui, mon gars, l'expérience trainer, je crois, besoin d'un an et demi comme ça. Et là, là après, je dis que j'ai un certificat. Ce certificat, c'est un certificat vraiment qui a de valeur. Je dis pourquoi pas m'appeler dans les autres centres, de comment ou nice. Je dis que c'est grâce à ce certificat-là. Et aussi, je me rends VTI grâce à ce certificat-là. Napolitaine, qui a une grande demande dans Maurice. Je suis Maspin, je suis biscuit champagne, je suis biscuit, je suis nankatai, enfin un peu de tout. Et pour qui va une occasion, confectionne un gâteau? Je suis l'anniversaire, puis beaucoup l'anniversaire, fiançailles, mariage, je suis la prière aussi, hein? La prière, je suis première communion, baptême, tout ça. Mais quel type préféré ou? En fait, mon type préféré, mon pena préféré, mais ma spécialité, moi-même, donne-moi une spécialité de napolitaine. Vu qu'il comme dire, y a une recette typiquement mauricienne. C'est pour ça, inventée par un mauricien auparavant. C'est pour ça qu'il me dit, ça vient de nous, qui fait mon pas développer. Commencement, c'est définitivement côté finance. Mais patiner ses finances pour monter une pâtisserie, mais il n'est pas aussi facile qu'un four, il vraiment il coûte cher, une batteuse. Pour commencer, moi, pour dire, normalement, nous avons besoin d'un 500, 600 000 roupies pour commencer une pâtisserie. Mais, ou même pour sa four-là, pour trouver les petits, mais il est vraiment cher. Mais là, on a besoin d'autres finances. De trois côtés, quand je progresse et gagner, est-ce qu'il m'a pour gagner, est-ce qu'il m'a pour commencer, est-ce que la banque peut accepter de moi ça?
et pas devenir aussi facile parce que là mon père n'a aucune garantie ça à l'époque là mon biche peut travailler il dessine un loan qu'il peut rembourser et fort heureusement l'indien attend quelque temps c'est un loan qui tu peux pour terminer il attend ça terminé la ligne prend un c'est lui qui prend un le ce nom là la ligne une aide moi une astéban apparaît tout ça là pour moi. Moi, mon plaisir, c'est premièrement me satisfaire mes clients. Même si je fais un gâteau dans sa façon-là, moi, je peux essayer pour ajouter un petit peu de plus de qualité qui moi, moi, non. C'est pas me décoller plus, me mettre un petit peu brillant plus, un petit peu perle de plus que le client n'a pas connu qui peut dans ça, dans ce gâteau. Et vraiment, quand il gagne ça, il est satisfait quand il gagne ce gâteau-là. Et vraiment, quand même je peux faire un napolitain, vous pouvez trouver dans une pâtisserie napolitain, bien simple. Mais moi, comme pour un client là, je peux mettre un petit peu glitter, un petit peu plus de plus là-dedans. Le client est vraiment caligué, il est satisfait. Là, c'est l'hymne de nous-mêmes. Franchement, je suis capable d'un petit peu en ligne, je rôde un petit peu, mon design, tout ça là, mais plus beaucoup l'hymne dans moi. C'est moi qui crée. Vous pouvez comprendre? Donc, est-ce qu'avant qu'un gâteau ou fait un dessin ou un papier ou quoi? Non, plus ou moins. La plupart du temps, c'est le client envoie moi le design, le WhatsApp, soit le Messenger. La plupart, hein. Sinon, c'est un an, je rôde un design. Pour eux, moi essaye, moi dis ok, pas de problème, pas de tracas, moi pour faire ce gâteau et ils satisfait quand ils prennent y aller. Moi essaye penser avec toute ma décoration qui m'ouais là, il y a beaucoup man petite décoration qui vendait pour ma pâtisserie qui vraiment les coûte cher, comment on gagne par exemple glitter, perles, on gagne man silver mangeable, man aluminium mangeable là, man silver foil mangeable. Et on gagne un spray qui donne un éclat. Tu vas un gâteau qui donne un éclat glacé. C'est ben, à travers cette affaire-là. Je vais essayer de voir comment je suis capable de faire.
designer cake, c'est moi je suis plus content ça, hein, ben designer cake, parce qu'il est unique. Que je ne peux pas faire un gâteau. Fait que moi, j'ai fait un gâteau de cette façon qu'il est fait. Ou ça, un gâteau 3D. Je suis plus content de fabriquer ce gâteau-là. Qui fait? Parce qu'il est vraiment comme vous mettez ça, le faisceau, peut-être pas pour les autres du monde qui peuvent faire pareil. Il n'est pas difficile. Je me trouve un petit peu plus facile pour moi. Et par contre, pour faire, fait que moi, j'ai fait un gâteau, un laitue. Je peux pas moule ça, mes affaires-là. Fait qu'on a envie de faire une lapin, un dinosaure. Vous trouvez là, moi, aucun moule qui comme petit rideau, vous pouvez faire la forme là. Moi, pas faire comme ça. Moi, trace un papier, moi, faire un patron. C'est à travers ça, par contre, moi, pose mon gâteau, moi, donner sa forme. Même man 3D aussi, moi, essayer d'imaginer. Moi, bien sûr, avec l'aide d'un fauteuil, le moi, c'est qui mon portable, moi, j'étais, moi, trancer, moi, couper. Nous besoin beaucoup d'amour, franchement, pour nous faire un gâteau. Nous besoin beaucoup d'amour. Nous besoin mettre l'amour et patience surtout. Par contre, comment on peut jouer un gâteau, il prend moi 3 heures de temps. Monter, me battre, me monter, me mettre dans le four, me laisser frais, me décoller. Il finit arriver. Parfois demi-journée même. Dépend qui gâteau. Fait qu'on a un gâteau, c'est pas une réception, il est assez grand. Il prend suffisamment le temps. Et c'est l'amour et patience qui nous besoin. Bon, étant donné que moi, je suis président de dame, moi, je conseille, madame, qui jamais je ne pensais que si je peux commencer un petit business, ayo, il n'y a pas pour marcher. Faut pas se dire, allez, persévérer, essayer, faire quoi, je n'ai pas envie, là, je n'ai pas envie que roti vende. Pas penser qu'il y a beaucoup de monde qui peut roti, mais faire, commence-le. Quand il y a un commencement, pour y a la fin. Je pourrais ici. Moi, je pensais que je besoin persévérer dans la vie. Et un message à nous, un jeune pâtissier, pour encourager d'autres, donner d'autres mieux et de gagner un succès, d'autres aussi, comment gagner. Et me dire à un jeune qui est dans l'avenir dedans, et non, enfin, c'est une pâtisserie, c'est un art.
je peux développer là-dedans, je peux arriver. Bien sûr, je peux arriver. Et je peux arriver peut-être au niveau international, parce qu'il y a beaucoup de compétitions qui font au niveau international. Je suis capable de participer, je peux arriver bien loin.